Pourquoi créer un spectacle musique et son, alors que la musique de Mozart, la musique de Tchaïkovski se suffit bien sûr à elle-même, et les dessins de Marina Sosnina se suffisent bien sûr à eux-mêmes par leur beauté et par leur imagination. Mais il me semble que les compositeurs ont toujours eu des visions avant d'écrire quelques notes de musique, quelles qu'elles soient. Ces visions venant de tableaux, de situations de la vie, de sculptures. Et je pense que la création au moment du concert d'une musique vivante, d'une musique éphémère, et des dessins qui sont faits pour suivre la musique, ou bien la musique suit les dessins, selon les cas, pourra apporter au public une vision nouvelle, une imagination extraordinaire de ce qu'ils pourront visionner et entendre. Je vous invite à venir nous rejoindre. À bientôt.